Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 avril. Alors surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vous correspondent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord Allez, c'est parti pour vous, amis Taureau. Allons voir vos énergies et vos messages. Si j'arrive à les attraper, bien sûr. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu attends L'occasion s'y prête. Donc vous, vous avez une occasion à saisir cette semaine, les Taureaux, et on vous dit, bah, qu'est-ce que tu attends Vas-y, saute sur l'occasion. <laughs> donc que vous soyez en couple ou en célibataire, euh, il y a une occasion qui va qui va s'offrir à vous. Donc allez-y, foncez. On va aller voir à la suite des cartes. Donc, ça c'est la carte conseil à la fin du tirage. Ici, on vous dit qu'il y a, euh, bah, vous avez de la chance, vous avez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous des opportunités qui vont s'ouvrir à vous et on vous parle de lumière. Donc, pour les célibataires ici, on dit que vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une opportunité pour faire une nouvelle rencontre. Ou c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, qui s'intéresse à vous. Euh, vous voyez comment ça vous parle en tout cas, mais on vous dit que cette, cette rencontre... Ou en tout cas, que cette occasion, cette opportunité que vous allez avoir euh, de faire entrer une nouvelle personne dans votre vie, vous voyez, ça va vous apporter de la lumière, hein, ça va éclairer beaucoup de choses dans votre cœur, ça va éclairer beaucoup de choses dans votre vie, vous allez retrouver euh, l'envie. Vous allez retrouver l'envie de plaire, vous allez retrouver l'envie de séduire. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose qui va arriver euh, comme ça, vous n'y attendez pas. C'est vraiment un coup de chance, c'est un imprévu, un, on va dire, le hasard n'existe pas, mais on va dire que c'est un coup du hasard. Et on vous dit que oui, c'est la lumière qui va rentrer dans votre vie. Cette personne qui rentre dans votre vie, c'est une jolie lumière qui va venir vous faire du bien, qui va venir vous réchauffer le cœur. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une occasion à saisir cette semaine pour vous deux. Donc peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de quelque chose ou c'est votre autre qui va être à l'initiative et on vous dit surtout, sautez sur l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Accepter ce qu'on vous propose parce que ça va euh, éclairer votre couple, ça va faire du bien à votre couple, ça va apporter une nouvelle chaleur, ça va apporter une nouvelle, une nouvelle euh, possibilité de progresser et d'avancer dans votre, dans votre couple également. Donc, voyez comment ça vous parle ici, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très joli euh, qui vient vers vous, euh, qui va s'offrir à vous cette semaine. Ce sont de très jolies énergies. Hein. Donc ce sont de très très jolies énergies pour vous, euh, Ami taureaux, et il n'y a pas grand-chose à dire, à hein, part euh, de oui, de, 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 de sauter sur l'occasion, hein, comme on dit, hein, l'occasion s'y prête, euh, n'attendez pas, allez-y. Allez-y. Allez, allez, allez qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici On vous dit, on vous parle d'outils. Alors, encore de lumière. Alors, ah ben, je pense que là, si vous n'avez pas compris, <laughs> pour les taureaux qui sont euh, célibataires et qui vont avoir cette occasion, cette opportunité, je pense que si vous n'avez pas compris qu'il fallait que vous saisissiez votre chance ici, que c'est quelque chose qui allait vous apporter de la lumière, qui allait faire du bien à votre cœur, qui allait réchauffer votre cœur, qui allait vous... Euh, peut-être... qui allait terminer.. Qui allait... Qu'elle ait terminé une guérison euh, que vous aviez entamée en tout cas, ici, vous allez vraiment, on vous dit vraiment d'y aller. Hein. On vous dit d'y aller, en plus on vous dit que vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils euh, pour. Euh vous êtes tel le magicien en fait, hein, dans le tarot ici avec cette carte, ça me fait penser à ça vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut euh, pour séduire la personne pour être séduit aussi, il y a tout ce qu'il faut hein. vous avez les deux, c'est vraiment euh, euh, comment je pourrais je vous dire ça c'est vraiment, euh, vous êtes vraiment un, un miroir l'un en face de l'autre, vous avez vous avez tout ce qu'il faut pour vous séduire mutuellement vous avez tout ce qu'il faut pour vous plaire, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça match, alors je dis pas que vous allez vous ressembler euh, vous allez euh, avoir des points communs, vous allez avoir des points divergents mais vraiment, c'est une personne à qui vous allez plaire, que vous allez séduire, que vous allez charmer, et c'est une personne aussi qui a tout ce qu'il faut pour vous charmer. Donc franchement, j'ai envie d'y aller parce que regardez, hein, il y a une jolie lumière qui s'annonce et qui se dirige vers vous, donc ça serait bête de passer à côté. Et pour les couples, on vous dit bah, vous aussi que vous, bah, de renouer avec votre autre, d'accepter de vivre certaines nouveautés peut-être, de remettre du piment dans votre vie, euh, de remettre du peps. De vous reséduire aussi, de, de, de comprendre qu'en fait dans le couple, euh, il faut être sans cesse en train de se séduire, en train de se charmer, euh, que rien n'est acquis. Euh, vous allez le comprendre cette semaine, je pense que votre autre va vous faire comprendre aussi que euh, cette personne, elle, quand je dis elle, elle n'est pas acquise, et que vous non plus vous n'êtes pas acquis. Donc c'est bien de, de pouvoir se recharge, recharmer, de se reséduire. Parce que ça renforce les liens et ça vous fait comprendre qu'en fait, bah, cette personne vous est, vous est vraiment destinée, puisque ça vous réchauffe le cœur et vous vous rendez compte que finalement, euh, votre cœur brille toujours pour elle, est <laughs> toujours illuminé par cette personne et, euh, et vous brillez toujours pour elle en fait. C'est très bien, c'est très joli, c est, c est, franchement c'est magnifique. Ici, la carte conseil pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit Donc, pour attirer l'amour à soi jour après jour, on vous dit Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Oui, alors là, ça me parle aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Pourquoi Pour les célibataires, bien sûr, vous allez comprendre. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez une nouvelle page à écrire dans votre domaine, dans le domaine sentimental, avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà présente. En tout cas, ici, il y a de nouvelles énergies. Pour vous, amis célibataires taureaux. Pour les personnes qui sont en couple, ben, on vous dit aussi que vous, vous pouvez écrire une nouvelle page dans votre couple. Votre couple progresse, votre couple évolue. Donc les personnes que vous étiez peut-être il y a un an, il y a deux ans ou même il y a six mois ne sont plus les mêmes. Donc on vous demande ici de tourner la page de ces six mois, de ces un an, de ces deux ans ou plus. Hein, vous voyez comment ça vous parle, et on vous demande de réécrire un nouveau chapitre euh, concernant les personnes que vous êtes aujourd'hui pour vous reséduire, pour vous recharmer. -re tout simplement pour. Euh, pour pouvoir justement euh, avancer et continuer à progresser et à vivre de belles choses ensemble. C'est un très joli message pour vous, amis taureaux, ici. Bah, vraiment, franchement, c'est euh, magnifique. Hein. Euh, J'ai fait des signes de feu tout à l'heure. C'était euh, beaucoup moins, beaucoup moins euh, harmonieux et beaucoup moins lumineux que ça. Donc vous avez vraiment de la chance, profitez-en. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à taureaux, une très belle semaine, mais là je n'en doute pas, vu les énergies qu'il y a. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À vous les vierges. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit Votre premier message. Je rêve de moments intimes avec toi. Donc vous, vous rêvez de passer des moments intimes avec votre autre, et votre autre aussi euh, rêve de passer des moments intimes avec vous si vous êtes en couple. Alors peut-être en couple, peut-être parce que vous n'êtes pas dans la même ville, peut-être que aussi vous êtes peut-être même peut un peu en froid ensemble, donc pour vivre des moments euh, intimes, quand on est fâché, ça ne le fait pas trop. Il faut attendre d'abord de se réconcilier. Après, pour les célibataires, bah, peut-être que vous, vous avez rencontré une personne, mais il y a une personne qui vous tire l'œil et vous avez envie de, de franchir des différents caps pour, pour accéder à cette personne, pour, que, pour, vivre, pour vivre quelque chose de beaucoup plus chaleureux et, et euh, qui, euh, pour approfondir la relation, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit, si je prends la carte à l'endroit, ça ira. On vous parle de patience. Et on vous parle d'épanouissement. Donc oui. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place ici si vous êtes euh, célibataire et que vous avez rencontré une personne ou que, vous, ou que vous allez rencontrer une personne, en tout cas il y a des choses qui se mettent en place. Et on vous dit soyez patient, ça va arriver, vous n'allez pas les vivre tout de suite. Mais en tout cas, cette, une relation, cette nouvelle relation va vous épanouir. Même si vous êtes, vous patientez, même si vous prenez votre temps, il y a vraiment des jolies choses qui vont arriver à la clé. C'est vraiment pour, euh, là vous allez vraiment patienter pour euh, construire sur des bases solides, pour construire sur euh, quelque chose qui va, qui va vous amener justement à cet épanouissement à ce bonheur en tout cas pour les personnes qui sont en couple on vous dit qu'ici bah ou aussi peut-être que bah, si vous êtes en couple mais que vous n'êtes pas dans la même ville on vous dit d'être patient c'est vrai que vu les, la conjoncture actuelle c'est un peu compliqué pour se réunir on peut pas se voir comme on veut hein. donc on vous demande d'être patient et de continuer sur votre sur la communication que vous avez commencée que ce soit par vidéo par, euh, par téléphone par euh, voyez comme ça vous parle hein. on, mais on vous parle que en fait euh, ben c'est une préparation à, à la réunion que vous allez avoir l'un avec l'autre, en fait. Hein. Donc, ça va vous permettre de, de faire épanouir votre couple, de mieux vous connaître. Et c'est vrai que quand vous allez vous réunir, ben vous voyez, ce sera vraiment quelque chose d'épanouissant. Et si vous êtes en froid avec votre autre, on vous demande d'être un petit peu patient, euh, de bien tâter le terrain pour voir. Mais de toute façon, vous allez vous réconcilier et vous allez retrouver euh, de nouveau euh, le beau temps dans votre couple. Bon, de toute façon, des fois, les disputes, ça fait du bien aussi parce que ça permet de recadrer des choses, ça permet d'exprimer des, des non-dits aussi, des choses qu'on n'ose pas. Et, euh, et on a besoin des disputes. C'est vrai que des fois, on dit, ouais, moi, j'aime pas les conflits, tout ça, mais on a besoin. Il faut savoir juste être intelligent pour comprendre qu'une dispute ne veut pas dire rupture aussi. Donc, il faut savoir juste euh, savoir s'expliquer et savoir comprendre l'autre. Hein. Ici, on vous parle d'un déclic. Ah Et on vous parle d'accord, de visuel. Donc, ici. On me parle pour les célibataires qu'en fait vous avez quelqu'un, euh, vous avez repéré quelqu'un visuel, si vous avez vu quelqu'un ou c'est ou c'est quelqu'un qui vous voit aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a repéré, qui peut-être qui vous espionne, qui vous épie, qui vous observe, qui vous euh... Qui vous jauge euh, et vous vous avez fait vous faites pareil aussi hein, c'est possible aussi euh, mais en tout cas on vous dit que à force de vous regarder tous les deux bah, vous allez avoir le déclic en fait c'est ce qui va y avoir le déclic et donc vous, vous êtes encore dans une phase d'observation cette semaine à mon avis mais euh, au début de la semaine parce qu'à mon avis il va y avoir vraiment le déclic ici vous allez vraiment euh, vous allez vraiment comprendre réciproquement qu'en fait vous vous plaisez mutuellement. Je pense qu'à force de vous regarder, de vous observer, de vous tourner autour, hein, euh, je pense que euh, des fois les signaux euh, euh, sont assez visibles quand même pour le comprendre. Donc il y a vraiment il y a avoir un déclic, un déclic amoureux ici, euh, mais en fait c'est parce que vous aurez pris le temps l'un et l'autre de vous regarder, de vous observer, et en fait euh, ben, vous, vous savez que c'est que c'est réciproque. Hein. Vous savez que cette personne vous observe et que, et que vous lui plaisez, c'est quand vous savez que... Elle sait que, que vous l'observez, qu'elle qu vous plaît. Hein. Donc en fait, vous aimez bien un petit peu ce jeu du jeu du, du jeu du chat et de la souris. Vous aimez bien vous tourner autour, mais il va y avoir quelque chose quand même, un déclic. Euh, vous n'allez pas continuer encore plus, en, plus, trop, plus trop longtemps ce jeu-là. Euh, parce que vous avez envie de bah justement de vivre de, des, des moments plus intimes avec l'autre personne. Alors intime, ce n'est pas forcément euh, des relations... Euh, euh, plus poussé, hein, c'est aussi euh, apprendre à connaître la personne, se donner rendez-vous, aller déjeuner ensemble, aller prendre un café. Il euh, y a toujours moyen, même malgré le confinement, il y a toujours moyen de faire tout ça. Donc euh, oui, c'est vivre un rapprochement en tout cas, et c'est de, de laisser rentrer l'autre, rentrer dans sa sphère intime, et que l'autre vous laisse aussi rentrer dans sa sphère, tout simplement. Et pour les, euh, et pour les couples ici, on, me, ben, on vous dit que peut-être que ben, si vous vous étiez disputés, en tout cas, vous allez continuer à vous observer et, et voir comment faire pour vous réconcilier, parce que euh, je pense que c'est mieux. Ici, c'est vraiment, euh, euh, vous n'aimez pas vous faire la tête, vous n'aimez pas rester sur un non-dit, en tout cas, eh bien, va, vous allez vous observer, vous allez, vous allez discuter de toute façon, il va y avoir un déclic justement pour amorcer cette discussion et pour retourner, vous retrouver en fait. Hein. Et pour les personnes qui, ne sont, qui sont en couple mais pas à côté malheureusement, eh bien, vous, vous continuez à vous regarder, à vous observer, à, à dialoguer. En tout cas, alors que ce soit par euh, cam interposé, mais en tout cas, vous allez vraiment prendre conscience qu'en fait, bah, c'est cette personne que vous voulez, c'est personne d'autre. Et cette personne, ça va être réciproque. Ça va être réciproque, elle va vraiment prendre conscience qu'elle bah, est vraiment bien avec vous, même si vous êtes à distance, qu'il y a vraiment quelque chose de sérieux. Euh, vous, que c'est une personne sérieuse et que vous êtes une personne sérieuse, euh, que vos sentiments sont sincères et les siens sont sincères aussi. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui se dessine. C'est très c'est très joli, c'est très rose, c'est très lumineux. Vous voyez, il n'y a, y a pas grand chose à dire. Hein. Donc le message conseil ici. Pour vous, amis vierges, attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on vous dit jour après jour J'exprime mes intentions et mes besoins dès le début de la relation. Donc là, dès que vous allez pouvoir euh, rentrer dans le vif du sujet, comme on dit, vous allez vraiment exprimer vos besoins. Euh, et vos intentions dès le départ. Ça, c'est pour les, les personnes qui sont euh, qui sont pas encore ensemble. Enfin, c'est pour les célibataires qui s'observent, qui se tournent autour, qui jouent un petit peu au jeu de et de la souris. Pour les couples, pour les couples qui ne sont pas ensemble, en tout cas euh, dans la même ville ou dans la même région. En tout cas, vous allez, vous, euh, vous, vous allez beaucoup communiquer. C'est ce que je vous disais. Hein, vous allez beaucoup vous observer, beaucoup vous communiquer euh, par cam ou par, euh, par téléphone. Mais vous allez vraiment vous exprimer ce que vous voulez vraiment. Et je pense que ça va dans le dans le, dans le bon sens, dans le même sens. Donc ici on vous dit le meilleur moyen de perdre du temps dans une relation, c'est de cacher ce que l'on cherche. En agissant ainsi, on perd du temps avec les mauvaises personnes, celles qui ne nous correspondent pas. Il convient donc d'exprimer clairement ce, qui nous a, ce que nous attendons d'une relation dès le début de celle-ci. Donc oui, bah ici, en tout cas ici, vous saurez l'exprimer, parce qu'on ne voit pas de perte de temps, au contraire on voit de l'épanouissement et un déclic. Donc oui, vous allez comprendre peut-être en exprimant justement ce que vous voulez, ou l'autre en vous exprimant ce qu'il ou elle veut. Bah vous allez comprendre qu'en fait, bah vous ne perdez pas votre temps et que cette personne vous correspond très bien, quand vous lui correspondez très bien aussi. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, bah je n'en doute pas du tout non plus. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes donc, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine Mon ancienne relation fait partie du passé. Donc, vous, on vous dit que maintenant, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, euh, il faut euh, vraiment tirer un trait sur le passé. De toute façon, comme je dis toujours, le passé est passé et vous ne pouvez pas le réécrire. Donc, euh, maintenant, vous avez une page vierge devant vous. Euh, à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez écrire sur cette nouvelle page. Tout simplement, sur cette nouvelle page sentimentale. Donc, voilà. Votre passé, c'est du passé. Que ça vous serve d'expérience pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas re rencontrer les mêmes personnes, oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il faut le voir le passé, c'est comme une expérience, mais il ne faut, euh, faut pas ruminer, il ne faut pas regretter, euh, ça sert à rien. Ça ne sert à rien parce que de toute façon, le passé, vous ne le retrouverez plus. Donc autant se focaliser sur les possibilités que l'avenir peut vous apporter, qu'une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie, euh, se focaliser là-dessus, sur, et, sur, et surtout se focaliser sur ce que vous ne voulez plus. Et sur ce que vous voulez surtout attirer maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle On dit, on vous parle d'une lettre. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous permettre de guérir et d'avancer et de vous transformer. Alors peut-être que... Alors, si c'est en liaison par rapport à une personne de votre passé, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne du passé et vous allez comprendre finalement, peut-être, vous allez certainement comprendre même que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de cette personne, que vous vous êtes vraiment passé à autre chose. Alors, ça, dépend, ça dépend du contenu de cette lettre, hein, peut-être que c'est une personne qui va s'excuser, qui va vous expliquer les choses, mais en fait, vous allez comprendre en lisant cette, ce message, en lisant cette, cette prose, bah, que vous ça ben, ça vous intéresse plus en fait. Cette personne ne vous intéresse plus. Vous avez vécu des choses avec elle, oui, mais ben c'est un fait. Mais maintenant, vous êtes vraiment passé à, à, à autre chose. Que ce qu'elle vous raconte dans cette lettre, eh ben oui, peut-être que elle, ça lui fait du bien. Peut-être que vous, peut-être qu'il va y avoir certaines révélations qui vont vous faire du bien aussi, parce que ça va vous permettre d'avancer et de guérir et de clôturer une bonne fois pour toutes ce chapitre. Mais en tout cas, vous. Maintenant, moi, euh, ouais, c'est ce qu'on me dit. Euh, vous, vous, vous êtes transformé, vous êtes passé à autre chose. Donc, même si cette personne essaie de vous envoyer un, un petit courrier en vous disant bah, Je pense toujours à toi, euh, euh, je suis désolée pour ce qui s'est passé, machin, euh, patin, fin, comme on dit, euh, vous, vous en, excusez-moi du terme, mais vous, vous en foutez complètement. Quoi. Là, euh, vous, vous avez plutôt envie de passer à autre chose et de rencontrer quelqu'un de nouveau et qui n'a rien en commun avec cette personne-là, en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, vous, vous allez recevoir un message alors de votre autre, hein, si vous n'habitez pas ensemble, si vous n'habitez pas à côté, ou dans la même région, ou dans le même pays, en tout cas vous allez recevoir un message qui va vous faire du bien. Si vous avez des doutes ces derniers temps par rapport à votre autre, euh, est-ce que cette personne elle est toujours fidèle, est-ce qu'elle ou elle ne s'intéresse, il ou elle ne s'intéresse pas à quelqu'un d'autre, en fait non, en fait, vous allez recevoir un message complètement rassurant, plein d'amour, vous disant que qu'il ou elle vous aime, qu'en fait vous lui manquez, elle va vous raconter plein de choses en tout cas, ou, ou ça sera au téléphone, en tout cas c'est une communication, hein. c'est des, des, des nouvelles, c'est des messages, et ça va vous permettre justement bah, de guérir votre petit cœur et de comprendre bah, peut-être que vous êtes encore plus amoureuse ou amoureux de cette personne, et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose avec elle. Et pour d'autres couples, peut-être que vous, vous vous amusez à communiquer, à vous écrire des lettres, ou à vous écrire des, des messages dans la journée, mais qui n'ont rien à voir avec euh, « qu'est-ce qu'on qu mange ce soir ?» ou euh, « ou tu fais quoi ?» euh, C'est peut-être juste pour vous raconter des, des petites anecdotes, ou peut-être vous faire un petit poème. Enfin, voyez comment ça va vous entretenir. C'est une manière d'entretenir aussi sa relation, euh, de guérir peut-être... Euh, Peut-être qu'il y a eu... Peut-être que vous vous vous, vous faites ce... vous avez entrepris ce, ce processus-là, ce, ce mode de co communication-là, en parallèle du reste. Peut-être parce que justement, à un moment donné, votre couple n'allait pas très bien et vous ne savez pas comment... Euh, vous avez cherché un moyen de vous renouveler dans votre relation et vous avez trouvé ce moyen d'échanger euh, des petits poèmes, des petits messages comme ça, doux, d'amour, ou mettre un post-it dans le portefeuille de l'autre ou, euh, ou euh, glisser un message dans dans la dans la pochette du, euh, du téléphone. Euh, enfin, vous voyez comment ça parle En tout cas, ici, oui, vous, vous, il y a des choses vraiment très jolies et très mimi qui, euh, qui se passent entre vous. Ici, qu sont la, quelle est la suite Donc là, on vous parle de retrouver un esprit d'enfant, c'est-à-dire de retrouver un, un esprit espiègle, un esprit re, se re, re, remettre, se reconnecter à une certaine innocence, aussi à cette partie que les enfants s'émerveillent de tout aussi. Donc là, c'est ce qu'on vous vous dit, c'est ce qu'on vous conseille, euh, émerveillez-vous de tout, émerveillez-vous de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, émerveillez-vous aussi du fait que maintenant vous n'êtes plus à attaché à votre passé, émerveillez-vous que cette personne qui, essaie de, qui vous a envoyé ces explications, ben finalement, ben vous êtes passé, émerveillez-vous du, du fait que vous êtes passé à quelque, à quelque chose d'autre, retrouvez cette innocence de vouloir redécouvrir la vie, redécouvrir les sentiments, redécouvrir l'amour. C'est ce qu'on me dit ici. Et pour les célibataires, il va y avoir des invitations. Il va y avoir des invitations et ça va vous permettre, oui, vous allez vous sentir bien euh, par rapport à cette invitation, par rapport à cette personne qui va vous inviter ou que vous, vous allez inviter. Hein, si vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez retrouver euh, euh, une innocence, vous allez retrouver euh, une légèreté, vous allez retrouver vraiment euh, une joie de vivre ici, c'est ce qu'on me dit. Euh, donc profitez-en. Oui, ça veut dire que vous êtes guéri de votre passé, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Pour les couples ici, bah vous, vous allez vous lancer une invitation. Euh, peut-être qu'à la sortie du confinement, vous allez vous dire, bah, ça serait bien qu'on se retrouve, euh, qu'on voit qui vient chez qui euh, pour, euh, pour se voir, pour euh, re, se, se remettre dans des énergies de légèreté, se sentir beaucoup plus léger et légère ensemble. Euh, peut-être s'autoriser à, à être comme des gamins, à se, à se taquiner, à se, à se rapprocher justement, euh, à, à jouer ensemble. En tout cas, et pour les couples aussi, peut-être que vous allez vous initier une, une invitation en se disant, bah, voilà. Euh, à la sortie du confinement, on va, dès qu'on pourra retourner au restaurant, <laughs> on va s'offrir un bon restaurant, un petit peu, un petit peu plus cher, ou peut-être qu'on va se peut-être va se faire un pique-nique aussi au bord de plage, je sais pas, on va, on va prendre quelque chose à emporter dans un restaurant qui actuellement est fermé parce qu'ils ne font pas du click and collect. Vous voyez, comme ça vous parle, en tout cas ici, on vous dit vraiment, vous allez renouer, vous allez vous inviter, vous allez trouver des, des choses à faire pour vous reconnecter à un émerveillement, pour vous reconnecter à une légèreté, pour vous reconnecter à une joie de vivre euh, qui est déjà à présent, mais que vous voulez entretenir en tout cas pour les personnes qui sont déjà en couple. Et que vous voulez euh, initier dans votre couple pour les personnes qui sont encore célibataires et qui viennent juste de rencontrer quelqu'un ou qui vont euh, qui sont en train de... En, au, au début et qui veulent maintenir cette forme de légèreté et d'innocence et, et d'espièglerie en tout cas. Ici, un petit conseil, attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on vous dit Alors, attirer l'amour à soi jour après jour, on vous dit je me libère du passé. Ah bah écoutez. On aurait voulu le faire l'esprit on ne serait pas arrivé. Hein. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé. Merci, c'est passé. Donc là, on insiste bien avec euh, le scooter, la moto, je ne sais pas quoi qui vient de faire du bruit. Il faut que vous arrêtiez d'alimenter le négatif en vous si vous continuez à, si vous êtes dans le, dans le fait que vous continuez à ruminer le passé. Hein. Donc là, on vous dit, je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Exactement, c'est ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Bah, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. C'est complémentaire à ce message. Mon ancienne relation fait partie du passé. Là, on vous demande, ça y est, bah, de vous en les détacher, de vous en libérer et d'avancer vers autre chose. Mais de toute façon, euh, vous allez être aidé cette, cette semaine à vous libérer de cette relation du passé. Euh, mais de toute façon, vous allez vous apercevoir que finalement, que vous êtes libéré de cette relation du passé, que vous n'avez plus rien à voir avec cette personne. Vous n'avez plus rien à voir aussi avec la personne euh, que vous étiez quand vous fréquentiez cette personne. Vous avez évolué, vous avez changé et vous n'avez plus envie de retourner dans ce genre de situation. Donc ça veut bien dire que vous avez évolué, ami Capricorne. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois ces énergies... Euh, franchement, euh, chapeau, allez-y, euh, continuez, vous êtes sur le bon chemin, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye